sort qui m'emmène ici. On est de retour sur Neverwinter pour l'événement Donjons et Crayons. Yoho! Un peu faux, mais c'est pas grave! Première chose, c'est qu'on va voir si on a de nouveaux loot. Échoppe, dis-moi qu'il y a du... Ouh! Pas de nouveaux loot. Bon, pour les anciens joueurs, vous savez très bien que, entre guillemets, ça ne sert à rien. Mais bon, passons. Pour les nouveaux joueurs, allez, hop, on va pas l'obloter à lui. On va aller à la taverne. Je suis prête. La petite musique. Non, je rigole. Pour les anciens joueurs. Quoique. Faut savoir pour les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver sur Neverwinter, ça me fait maintenant faire presque 4 ans que c'est toujours la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe le. Ouais, je vais pas passer le blablatage. Mais bon, ah ouais, quoique, je peux le passer. Ah non, ah, si, je sais plus. Ah! On m'a figé! Je fais le fameux truc là, stun là. Bouge plus là. Statue, voilà, c'était ça, un statue. Je sais plus. Bon, comme vous pouvez constater que vous avez par semaine, ça va se débloquer. Bang, bang, bang. Ça, c'est pour faire le premier jeu. Vous avez des petits bonhommes à qui parler pour faire les petites courses et des mini-quêtes en réalité que vous avez. Et 99% du temps, quand vous faites celui-ci, il faut attendre 2 heures pour qu'il y ait des autres personnes qui décident de venir. Alors, faut savoir un truc, c'est que quand vous prenez une quête ici, et non, je crois que c'est chez lui, ça vous reste toujours dans les trucs de quête tout le temps. Vous êtes en train de monter un compagne ou quelque chose, en premier, vous allez voir ici pendant l'événement. Et ça, c'est peut-être un peu pour certains. Pour débloquer le restant, c'est ici, il faut parler à ceux-là, il faut faire leur mini-jeu. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, celui-ci était complètement cassé, complètement buggé, et Neverwinter ne l'a jamais réparé à l'époque. Celui-ci, je ne sais même pas, parce que la dernière fois que je voulais vous le montrer, ça a complètement buggé mon système. Alors, je n'y vais plus dans celui-ci. Celui-ci, c'est simple, vous devez juste bouger des rochers là, comme il est en train de voir. Ça, c'est l'avantage que vous pouvez les voir faire. Ah, par contre, c'est moi, je suis entouré qui parle des devas. Parce qu'il y en a un là, Ah non, il y a un voleur, il y en a moi. Ah, il y a un deuxième voleur, ça va. Alors, tout le monde fait presque celui-ci ou bien celui-là, c'est pour monter la jauge de votre attaque. Et c'est encore un bébé parce que son lanterne était encore vert. Tout niveau peut le faire. Sinon, il n'y a strictement pas de problème. À un moment donné, je ne sais plus si c'est en compétition qu'il faut quand même parler à ce petit bonhomme-là. Il va voir un truc que vous devez chercher partout pour des dés. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez, si vous voyez une dé, vous pouvez monter. Hop. Voilà, enfin, c'est des petits carrés comme ça qu'il faudra chercher partout dans la map. Et quand je dis partout, c'est partout. Ça peut être là au-dessus. Il y a moyen de monter là-haut. Ça peut être là-bas derrière. Ça peut être ici, dans les stands. Et tout ça, en fait. Ça, ah oui, attention quand vous allez dans l'eau. Oh, ça me tue. Oh non, c'est comme dans l'acide dans Roger et Blood. Roger Rabbit. It's burning, I'm melting. En français, c'est... Le film en français, je connais pas, je crois. Je fonds. C'est un truc comme ça. Je fonds énormément. Allez, on va parler au petit bonhomme. Je vais mettre le piège. Je suis prête. Allez. J'ai jamais remarqué qu'il y en avait deux. En réalité, tu vois, par semaine, ça va se débloquer. Et plus en plus. Et c'est ici qu'on peut voir la fameuse monture légendaire de... je ne sais plus comment ça s'appelle. Le Manticore. Non, c'est pas le Manticore, Kim. Oh, comment il s'appelle ce truc? Et... pas échange là-dedans. Monture.
Monture. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Je sais pas s'il y en a un en vente. Non, il n'y en a pas en vente. Ouais, il n'y a rien en vente. Ah, c'est le... Non, mais ce truc avec la tête et les bras, là. Je vous aime. Merci pour la réponse. Oh, come on. Oh. Je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que toi, tu en as un en vert et en violet, en fait? Aventurier. Envie de vous délester de vous... Non, ok. Bon. Vous avez jamais envie. Oui, je suis prête. Et... Voilà, on fait les deux. Hop. Et on y va. Comment ça s'appelle? Il y a Untouchables. Non, c'est pas les Untouchables. Comment ce truc s'appelle, le monture, là? Et en réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'après le donjon, après avoir fait le truc, ne allez pas directement dans le coffre. Il faut lui parler, il fait tomber. Et patati, patata, quoi. Ouais, les cinématiques, bien sûr, on sait toujours pas les passer. Mais bon, c'est pas grave. T'as un peu de dialogue pendant les cinématiques, on se ressent pas Neverwinter. Et aussi le moyen de passer vos cinématiques. Ça ferait vraiment plaisir. Franchement. Au lieu de nous donner des trucs. Allez, Barbie. Ah non, tu veux te passer tout le monde hein? D'accord, bon, on y va alors. Hein. T'as pas été allé loin. Des piques, des pièges empoisonnés, ça s'en va et ça revient. Pour les arachnéens. Ah, il y a déjà le tank qui est tombé. Comment ça se fait qu'il est tombé? Il va vraiment à niveau 1 alors. Hein. Vous allez avoir ça qui tombe. Ne le prenez pas, ça sert à rien. Ça vous pousse à acheter le fameux compagnon Walter dans le... dans la Zen Market, en réalité, c'est juste pour... Ouais, on se fait écraser ici. C'est juste pour faire en sorte que vous achetez, en fait. Que je trouve un peu dégueulasse la part de Neverwinter, comme si on... Il demande déjà pas assez pour payer. Elle ramasse des aventuriers, pas mal ça. Ouais, les petites blagues, franchement, ils sont pas mal. Mais non, c'est vraiment pour vous pousser à l'achat. Et je trouve, comme je dis, j'aime pas ça trop de Neverwinter. Hein. C'est comme le prochain extension, des gens vont de nouveau acheter. Ouais, tu vois, c'est... Il y a que ça qui tombe, en fait. Et franchement, ouais, il y a ça, mais... ça, je les revends à chaque fois. Pour du lore. Mais non, le truc de Walter, c'est vraiment vraiment vous pousser à acheter, acheter, acheter. En réalité, c'est un compagnon en dehors du sas, ça vous sert à rien. Vraiment à rien, quoi. Or, mais bon. Je me rappelle bien, je crois que les deux mondes, les deux trucs événements sont exactement les mêmes. Ça sert à rien de la taper pour le moment. Yeah! Ouh! Ouh! Non? Go! Papam. Papam. En fait, celui-ci, j'ai jamais réellement compris comment il fallait faire pour qu'elle ait des dégâts, en fait.
Ah, oh, come on. Non, c'est pas un blague, j'ai déjà vraiment compris réellement comment il fallait faire pour faire les dégâts. Regarde le Barbie là! Il est dedans lui hein! Pourquoi j'ai un nouveau ting? Je me rappelle bien, il faut les amener là-dessus, mais vu que Barbie est tellement occupée à le faire. Bon bah, prout hein! Mais non, c'est pas ça que j'ai demandé moi! Faut la faire bouger. Je crois qu'il faut la faire exploser sur un des trucs. Je me rappelle plus. Voilà, c'est ça, il faut l'amener sur une des pièces. C'est ça le truc en fait. Oh, puis prout, hein. Non, ok. Hop, pam, pam. Là, il y a encore un truc à Walter. Non, mais je dis, il n'y a que ça qui tombe, c'est... Proutaden, proutaden, proutaden. Par contre, je dois avouer que les petits cinématiques... quand il y a les cinématiques autour, c'est bien fait, parce que même quand vous êtes dans le jeu, vous pouvez les regarder, ils bougent et tout comme ça. Ah, merde. Ça, franchement, ça, c'est bien fait. De quoi, en français? Ah, tu m'as touché, là. Si c'était dans le truc d'Orcus, je serais morte, hein, il m'aurait one shot. Mais là, ah bon? Oh, je crois qu'il y a un peu de vent de mes cheveux. C'était vraiment ça, quoi. Oh, pas mal, quoi. Oui, ok, on le sait, d'avoir Winter. Oh! Et nous avons ça, et ça, et ça, et... Par contre, quand il y a des événements comme ça, quand vous êtes des nouveaux, farmez-les. Même si moi je râle dessus, vous inquiétez pas, c'est normal. Ah, si vous avez le chemin d'arriver aussi, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Ah. Non mais, farmez pour, juste pour les enchantements, juste pour voir de la sublime en réalité. Et c'est juste ça en fait. En attendant hein, que vous montiez votre perso. C'est l'avantage avec ces petits événements-ci, que vu qu'il y a un niveau 6, peut aller le faire. Bon, c'est vrai que nous, les niveaux 70, qui ont un JS un petit peu plus au-dessus, on râle un peu là-dessus parce que c'est trop facile pour nous. Hein, il y a des événements qui durent un week-end, ou que c'est juste un fil d'attente, on doit y aller. Quand vous êtes, ils disent 60, mais quand on est niveau 70, on est 5-70, on a un JS depuis, 3, depuis de 13K. En faisant ça, tout est mort, quoi. Alors, vous inquiétez pas, il y a des gens qui râlent à ce niveau-là. Mais si vous êtes des petits, farmez-les le plus possible, le plus de temps possible. Même si vous en avez marre, que vous êtes fatigué, faites-le rien que pour le sublime. Parce qu'il y a des événements où que, carrément, il y a des enchantements qui tombent. Alors faites-le que pour le sublime. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que sinon, vous allez pas savoir sublimer de plus. C'est pas grand chose qu'on sublime, hein, mais c'est déjà mieux que rien, quoi. Et, comme ça, vous mettez de la sublime à côté, vous prenez 99, quand c'est le sublime, vous le sublimez, et bingo! Petite astuce comme ça, tu vois? Pff, oui, je suis un peu à l'ouest, moi, aujourd'hui, alors. Voilà, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Ah oui, le Walter. Le fameux Walter. Toi, ça fait maintenant un an. Oh. Un an
Que toi, t'es en nouveau. Hein. Il est où le Walter? Oh. Ouais. Est-ce qu'il est ici ou est-ce qu'ils l'ont bougé pour le mettre dans le... Voilà, il est là, Walter. Le petit Walter, voilà. C'est tout. Moi, personnellement, pour moi, il sert strictement à rien. Mais vous voyez déjà le prix, hein, et vous avez qu'un truc de 20% dessus. Hein. C'est... Ce truc intéressant là-dedans, c'est la ruine. Le ruine. Mais sinon, voilà quoi. C'est un endroit que je vais pas souvent, c'est dans la Zen Market. Ah oui, et vous avez pas de diamants en faisant ça. Hey, par contre, j'ai marre de faire ça. Je voudrais bien faire un de ces deux-là. Allez, que ça part! Bah, en tant que ça pop, je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous. De retour. Ça va, j'ai pas dû attendre trop longtemps. D'habitude, j'attends deux fois plus longtemps que ça, mais cette fois-ci, ça a été. Franchement. Pas trop longtemps, ça fait plaisir. Et on fait un autre donjon, ça change. Oh, come on, really? Oh. Quoi, ça sert que j'ai une monture légendaire si on me one-shot dessus? Ah. Franchement, à quoi ça sert? À rien! À rien! Mais tu redescends sur terre, toi, vieux queue! Oh! T'es un peu trop haut, mon goût, là! Je sais pas qui tu es, mais waouh! Wow! Hé! Ça va aller, le palouf! Wouah, il one shot presque lui. Ah, joli. Ah, pas mal comme palouf ça. Quelqu'un. Ah, ouais. Ok, c'est compréhensible. Dans la kill qu'il est, c'est logique. Attends qui? Ah! L'autre Deva. L'autre mini-moi! Ok, il est tout fier parce qu'il a un horrible T-Rex. Et en français, ça donne quoi? Seules les cendres restent! Bah, qui reste? Qui reste? Qui reste? Allez. Prends ma petite licorne. Ah, bah t'en as aussi. Ouais. Nous sommes des âmes sœurs. C'est une monture qu'on voit pas souvent. Elle est assez rare dans le jeu. Bah, c'est bien. Bah, les one shots, ça fait plaisir. Et moche cette monture quand même. Je suis désolée les gars, c'est même si vous avez réussi à en looter, hein. Par contre, si vous l'avez acheté. C'est comme je dis, moi j'aime bien les montures, hein. J'ai collectionne certains, mais celui-là, tu m'oublies, mais tu m'oublies, mais royal. Bon, on y va. Hop. Tu vas nous dévorer, c'est ça que t'as dit. Ça me semblait, ouais. Hey, wouh!
Voilà, hop, et ça c'est... Waouh, il m'a laissé un collier. Oui, il est malade. Il est malade, complètement malade. Rien du tout. Oh, youpi, que dalle, Zada. Nothing. Literally nothing. Allez, bisous, bisous.